now I have some money, but... Like it or not, I'm funny. Still in searching of my destination. I like to party. Living my way is arty. All I offer is my reputation. Hey, let's walk this way. Tes règles ? Moi aussi. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog d'Ouhou, tu n'y arrives toujours pas. Bienvenue, merci d'être là. ASMR, nous mangeons. Horrible, je déteste les bruits de bouche. Est-ce que vous savez que quand vous êtes proche d'une personne, votre cycle peut matcher avec cette personne? Donc, vous avez deux nanas qui ont leurs règles en même temps, dans le même vlog. Aïe! Et la dernière fois qu'on parlait de règles, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était dégoûtant dans les commentaires, que c'était répugnant de parler de règles. Sors de ton trou, hein. Est-ce que tu sais comment ça se passe? Est-ce que tu sais d'où tu viens et par où tu passes avant d'être sur Terre? Here! Si ça ne tenait qu'à nous, peut-être qu'on passerait la journée dans le lit à regarder un film avec une bouillotte. Mais on va se bouger le cul aujourd'hui. En plus, c'est samedi, il y a encore tout qui est ouvert. Donc on mange nos sushis et on bouge notre cul. Et tu te douches aussi. Ouais, ça fait partie de bouger mon cul. Ça me guérit un peu ça. Moi j'ai vraiment le sourire depuis que c'est arrivé. Ça va? Ouais, il y a eu un peu une odeur quand je les ai ouverts. Ça te chauffe une journée entre filles? Mm-hmm. Bah après quand on est avec Marc, en vrai, on change pas nos programmes pour lui. Hein. Mm. J'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui disait que c'était bizarre que j'ai pas de copines filles et qu'on voit jamais de meufs dans les vlogs. Mais en fait, toutes mes copines, elles sont en train de voyager, mais laisse tomber. Il y en a une qui fait un mois en Italie. Mimi, j'arrive même pas sur son planning chez Everywhere. J'ai une copine qui est en tournée musicale dans toute la France. J'ai mes petites jumelles qui devaient rester quelques jours en vacances finalement. Elles font que rallonger. Je me suis fait chier à steamer une jupe pendant 15 minutes, je la mets, je rentre plus dedans. Privilégier des matières extensibles. Ah, c'est ce que j'ai fait avec celle-là du coup. En vrai, c'est parce que ça te va mieux. T'es gentille. Merci. Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Du coup, aujourd'hui, on est sans garçon. On est juste toutes les deux. Et notre idée, c'est de se balader, de prendre du temps pour nous. Au menu du jour, nous avons relooking. En fait, c'est vrai que moi, quand je m'habille le matin, je prends un t-shirt et un pantalon et je fais vraiment au pif. Bon, là, ok, j'ai un très beau t-shirt. Et je réfléchis pas quand je m'habille, alors que c'est dommage, du coup ça colle pas à ma personnalité. C'est basique, y a pas d'âme dans mon style. Oh, t'es dur quand même, attends. Moi je dirais juste que c'est comme ta personnalité, elle a beaucoup évolué ces dernières années. Et je pense que même les gens ils s'en rendent compte, ouais, à travers les années au vlog d'août. Quand t'étais toute timide et qu'aujourd'hui tu te lâches plus et que tu restes un peu la plus réservée du groupe. Mais en même temps, oui, t'es beaucoup plus ouverte. A new girl. Non mais disons que t'étais un peu plus renfermée. Oui, non, je m'exprimais pas et en fait j'aimerais, maintenant que j'ouvre plus ma bouche, j'aimerais que mon style le montre. Ok, mais tu sais que je trouve que c'est vraiment le thème cette année des vlogs d'août, c'est genre notre crise d'adulte et le renouveau. En fait je pense que le thème de la saison c'est assume qui tu es. Non, je crois pas, on a pas parlé. Avant là, il y a 4 minutes, on en a pas parlé du tout de... Et bah alors maintenant c'est le thème. C'est tellement génial à voir. En fait je te l'ai pas dit d'ailleurs, mais je l'ai dit à plein de gens. En fait, bah je vous le dis aussi du coup. J'ai loupé 2 jours de Paris. J'étais à Strasbourg et je suis revenue. Et quand je reviens, je me lève tôt. Je me lève à 5h, j'ai mon train tôt et tout parce que j'ai envie d'être vraiment là tôt. Le soir, j'étais excitée. Comme quand tu pars en vacances, tu sais, t'arrives pas à dormir, j'étais comme ça dans mon lit, j'étais là. Ouh, je suis trop contente d'être demain. Et du coup, le lendemain, je me suis levée et j'ai pas du tout senti le manque de sommeil, la fatigue et tout. J'étais en mode, yeah, on va dans le train. Et j'étais trop contente dans le train, j'ai même pas dormi dans le train. Et c'est quoi le rapport avec le relooking du coup? Bah qu'il y a eu tellement de changements et que je suis trop contente des changements qu'il y a. Ah, ah voilà. Et sinon ce matin, j'ai mangé... Attention, parce que si vous la lancez sur une histoire, Solène, c'est ça. Il y a 20 fois qu'on s'est rencontrés. Avant, on disait un truc, on disait que si on s'était rencontrés, maintenant, on n'aurait pas été copines. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je trouve que c'est différent parce que moi, je me suis beaucoup plus calmée, oui, en mode zen. Et toi, tu t'es vraiment plus lâchée, oui, à l'inverse. Et donc je pense que si on se rencontrait aujourd'hui, on serait copines. Peut-être pas encore. Je pense que... Déjà, on serait... copine, pas amie peut-être. Ok, on se serait fait la bise au café. Ok. Non mais si, on va vers vraiment, on évolue et on s'en rend compte. Je vous jure, les 25 ans, ils vont font... bah. C'est vrai. Tu parles de skincare, de haircare, de collagène, de machin. Moi, bon, ça t'en as toujours parlé, moi. À 14 ans, tu me disais, masse-toi sous la douche. Ah.
Ma petite tenue du jour, j'ai une robe Cos. Mon panier, c'est Givenchy. Et mes petites chaussures, c'est Musier. Et mes bracelets, c'est vous. Relooking. Ah merde. Vers quel style t'aimerais aller? J'aimerais que ce soit élégant. J'aime bien être élégante, mais j'aimerais aussi que ce soit confortable. Comment on dit, genre casual un peu. Casual? Casual, yeah. Et en fait, ce que j'aime, c'est quand tu vois, t'as une tenue et que tu rajoutes un petit truc, genre des petites boucles d'oreilles, un sac, et peut-être tu changes tes chaussures et puis t'as un look de nuit. Donc t'es un peu versatile. Versatile, ouais, c'est ça ce que je voulais dire. Et j'aimerais bien ton avis sur ça. Ok. C'est content. On est en terrasse. Cheers. À quoi on trinque? À mon nouveau style. À mon affirmation de style. Moi je pense que j'avais commencé à fermer mon style, j'avais quand? Moi je pense que c'est il y a pas si longtemps, hein. C'est mes dernières fashion week. Hein. Je pense qu'il y a 2-3 ans max. Ouais, max. Hein. Ah ouais, ça va pour du temps. Donc si toi aussi t'es en recherche de trouver l'extension de ta personnalité, puisque c'est aussi ça le vêtement. Ouais, c'est vraiment ça. Et bah... C'est, je pense, le travail soit d'une vie, soit de questionnement, de réflexion et aussi d'un je m'en foutisme. Il faut commencer un peu à s'en battre les steaks des autres pour commencer à connaître son style. Ça, je sais faire. Hein? Dans notre journée entre filles. Hey. Mais Marc, tu crois trop, t'as des cheveux de 2 mètres. J'adore, à chaque fois, il fait des. Alors que même moi, avec des cheveux, j'arrive pas. Airflip, tu connais. Vous avez fait quoi aujourd'hui? Eh ben, en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais dans ma vie, j'ai évolué. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai évolué et donc on a fait en sorte que mon style soit en accord avec mon évolution. En adéquation avec ta nouvelle profession, c'est ça? Non, bataf. C'est plus qu'un métier, c'est une façon de vivre, ok? Folle. Mais m'agresse pas. Non, mais c'est de... Du coup, c'est plus par rapport au changement de taf, ok, mais c'est genre tout changement de mode de vie. C'est que je grandis. Et donc, du coup, t'as envie de changer de style? J'ai envie qu'ils soient. Ouais, ouais, voilà. En fait, c'est ça? Ouais, voilà. Donc, du coup, est-ce que tu vas changer ta couleur de cheveux ou pas? Je sais pas encore, je vais demander l'expert. Sache que tous les abonnés ont dit brune. Hein. Ah, bah voilà. Et bah, vous m'aurez en brune! Ma guide spirituelle dans ce développement a été Léna. Ah, ok. Tu peux dire quelqu'un d'autre, vraiment? J'ai envie de voir Tarichi ou Hailey Bieber, un truc comme ça. T'es déçu qu'elle t'ait dit qu'elle ait dit toi? Bah non, je suis flattée. Ah. Après, je suis une bombe de style, je comprends. Tu veux quoi? Hein? Hein? Quoi? Redis? Rien, t'inquiète. Le bombe de style. Ah, moi j'ai pas entendu du tout. Non, mais je suis choquée. C'est quelle expression ça? Prêt, hein? Non, 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 on arrête. Je me prends que des photos sur mon Instagram, tout le monde m'envoie. Des photos de ma gueule en gros plan. Mais t'es en boucle avec ça depuis 3 jours. Oui, mais quand tous tes messages Instagram, c'est regarde comme t'es moche. Mais après, si tu le dis à la caméra, regardez, moi je suis prêt, je suis beau, je suis iconique, unique. Pas grave, je suis beau. Alors, ma nouvelle vibe, j'aimerais être élégante, j'aimerais rester casual. Quoi? Casual. Casual. Et j'aimerais aussi avoir des looks versatiles. J'ai appris un mot aujourd'hui. Ok, fashion week. Quoi? Je décale le linchal pour qu'on puisse faire un shooting à Soso. Ah meuf, ça te va trop bien. Donc on est sur quelque chose de quand même chic et élégant. Alors les chaussures, c'est juste parce que j'ai chaud aux pieds. Aïe, aïe, aïe. Ah, je l'ai senti, je l'ai vu. Attends, je vous fais une reconstitution de ce que je viens de faire. Imaginez que ça c'est ma caméra. Je vais pour filmer Solène. Je fais ça, ma fesse se cogne contre ça de manière inopinée. Bah voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Du coup, je disais, j'ai chaud aux pieds, donc là en fait, je les ai pas mises totalement. Parce que là, on est sur un look qui sera plutôt pour l'automne. Avec un petit trench. On avait fait. Oh ouais, j'ai un trench. Mais j'ai un trench court. J'ai pas un trench long. Il faut un trench long. Il faut un trench aussi long que la jupe, c'est ça? Ouais. Pour qui on se prend là, les deux? On dirait les belles sœurs de Cendrillon. J'ai voté Anastasie là qui sont. Ah non. Et moi, je suis Cendrillon alors. Bah t'es notre Cendrillon de ouf. Et en fait Léna elle m'a dit que ça je pouvais le reprendre et le remettre avec un jean. Mais même là t'as deux basiques en vrai hein. Tu peux mettre avec une chemise tu... Dans la chemise est tellement fou, tu penses que ça irait bien avec? Ça peut le faire franchement. Attends, j'enlève la caméra parce que... Non mais Solène tout de suite, voilà. It's always the same. Non mais franchement c'est toujours la même chose hein. Moi j'aime bien comme ça hein. Ça va peut-être un peu strict avec des mocassins mais tu vois si tu mets avec des petits talons, des petites bottes.
Mais elle est con. On continue ? C'est ça qui nous différencie, Solène. Ouais. Elle a fait du bazar, elle a tout de suite rangé. Alors que nous. Ouais. Alors que moi, le bazar, il est là, là. Mais attends, mais quoi ? Mais allô, j'adore ! Simple et très efficace. Avec un petit accessoire, un petit collier et tout, mais quoi ? Qu'est-ce que tu nous montres là ? Chaussettes mocassins. Ah, ok. Ah. Mais est-ce que tu te sens à l'aise ? Très. Est-ce que tu te sens déguisée ? Ouais, tu peux sortir comme ça dans la rue, tu t'as pas de soucis. Non, non, oui, vraiment, je me sens bien. Trop bien. Ça te va bien, on dirait ta sœur ? Ouais. Mais je veux que. Oh ! T'es belle, Soso ! Là, c'est petit-déj. Quoi, hein ? Non, c'est genre rendez-vous. Pourquoi petit-déj ? Rendez-vous pour un déj. Tu vois, le côté élégant que tu voulais, il est bien, hein ? Mais c'est pas non plus too much, t'as pas l'air d'avoir 100 ans, moi. C'est lequel ton look favori ? Ah, ça dépend de l'ambiance. En vrai, je les aime tous beaucoup. J'aimerais bien avoir une styliste tous les jours. Aïe. Mais moi, je vous envoyais mes looks à un moment tous les matins, vous vous souvenez pas ? Oui, c'est vrai. C'est un bon éventail, mon sac Jacquemus ? Ouais. Ok. Merci, c'était Solène. La fin du show. C'est tellement chouette que vous la voyez se lâcher de plus en plus. Même si c'est encore des petites étapes à chaque fois. Et je sais que pour beaucoup ça paraît futile. On a, vous avez des filles, vous avez fait du shopping. Mais c'est plus que ça, je vous promets. It's so much more than that. C'est trouver sa place, prendre confiance, s'assumer, se comprendre. Avant de vouloir te représenter au monde, c'est savoir comment toi t'en veux d'être représenté. Et je pense que c'est intéressant et que c'est important. Solène, viens. Vous savez ce qu'on a acheté ? Simulateur de douleur de règles pour que Marc les aille. Ça va être incroyable. Je pense qu'il y a plusieurs intensités. On va commencer soft. Après, on va lui montrer ce que c'est leur premier jour de règles. Coucou ! Coucou ! Coucou ! Hi. Tu sais qu'on t'adore, Marc ? Oh, Marco ! Tu sais ce qu'on adore chez toi ? C'est ton soutien. Quoi ? Allez, au bout de votre histoire. Hein. Non, mais rien. Toujours. Toujours, comme si on avait des trucs toujours à te demander. On est juste gentils. On fait pas du tout ça pour que tu essayes le simulateur de règles. Non. En vrai, ça tombe vraiment le bon jour. Comme ça, on aura toutes nos règles, tous les trois. Mais j'ai pas envie d'être indisposé, moi. T'auras pas de blood, t'auras juste la douleur. C'est déjà 1 sur 2, c'est bien. On a acheté ça. Aïe. Non, mais t'inquiète. Non, non, je te jure, j'ai besoin de savoir ce que c'est. Regarde pas trop, c'est juste comme les contractions qu'on a. Si vous voulez, je peux voir, ça va aller sur mon corps, j'ai besoin de savoir de quoi il s'agit. Mais non, t'en fais pas, je te jure. Crois-moi. Je l'ai acheté sur un site de médecine. Amazon. Alors, attendez. Vous connaissez bien par cœur toutes les deux. C'est moi qui gère l'intensité. Mais pas du tout. Mais bien sûr pas. Tu crois que c'est nous qui gérons l'intensité de nos douleurs ? C'est moi qui gère l'intensité et c'est moi qui vais augmenter. Vous me dites non. Plus, je fais plus quoi ? Non, tu nous dis plus et on fait plus. Non, on non, a non. La main sur la télécommande. Non, non, parce que je vous connais, vous allez toi. Non ! Jure ? Oui, ok. Voilà la bête qu'on va aller venir disposer sur l'estomac de Marc, au bas de l'estomac, puisque c'est là que nous on a mal. Attends. Tiens, donne-moi la main. Non mais attendez, non. Mais t'inquiète. Je vais le mettre petit à petit. Tu sens un truc ? Mmh. Ça va. Tu te sens comment là ? En fait ça fait des trucs pulsés genre. Mais doucement Léna ! Tu vois c'est pour ça que je voulais pas qu'elle le fasse. Oh my god ! Oh my god, Léna, je te déteste ! Attends, doucement, doucement. Nous on commence pas graduellement, nous c'est fort d'un coup. Et après ça s'arrête. Attends, je fais. Et une nouvelle technique en fait, le mettre sur les abdos ça fait pas mal. Puisque tu contractes tes abdos. Mais par contre, mettre là où t'as tes ovaires. Donc on a deux petits stimulus que tu mets sur les ovaires. Tu l'as plus ? T'as plus rien ? T'as fait semblant ? Ah non. Ah pas du tout. Ah pas du tout. Ah non, je rigolais vraiment pas. Mais c'est vrai que tu faisais semblant ? Mais la vie de ma mère que non. Je veux plus faire. Mais quoi ? C'est impossible que vous viviez ça. Et après, attends, imagine les contractions pour accoucher. Attendez, je vais refaire. Mais c'est pas normal que j'ai eu mal comme ça. Hein. Ce genre, Léna, j'ai pas du tout abusé. Hein. Je t'ai tapé, je crois, pardon. Mais tu m'as fait peur, j'ai vu. Ah, pardon, excuse-moi. Une partie de toi que j'avais jamais. Non, mais je t'ai jamais vu quitter une pièce aussi rapidement. Ah, t'as bondi. Attends, fais rien, s'il te plaît. Je mets pas play, Marc, pour le moment. Attendez, il y a un mode bizarre là. Là, ça fait ça. Ouais, c'est des contractions. Là, ça fait ça. C'est des contractions. Non, mais là, en vrai, ça va chez Gérable. Ok. On monte. Il faut qu'après. Non, mais. De 1, premier, alors que je t'ai vu, t'inquiète.
Souffle. Ah, là ça fait mal. Là ça fait mal. Ah, mais en fait ça fait ça. Attends, 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 je vous jure. Attends, 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 attends. Attends, là ça fait comme ça. Je transpire, gars. On fait le niveau dessus. Il y en a combien? Attends, attends, toi dès que je dis niveau dessus, il y a un sourire qui... C'est pourquoi je rigole? Parce que t'as 3 sur la douleur 9. Il y en a 9. Il y en a 9, là t'es à 3. Vas-y. Là ça fait ça. Mais t'es sûr? Quoi, je suis sûr? Mais la maison des ouf. Et les hommes pourraient tellement pas accoucher. Mais tellement... Attends Lina. Ah, mais ça fait mal, ça tire. Ça tire, ça tire, ça tire. Arrêtez. C'est mal qu'on arrête, c'est bon hein. Non, non mais... le niveau au-dessus, j'ai besoin de voir ce que ça fait vous. Il faut faire le niveau au-dessus. Mais non Marc, c'est bon. Faut qu'on essaye. Mais c'est bon, y'a pas besoin d'avoir ton ego. Non hein. Mais faut qu'on... Non mais c'est pas de l'ego, mais ça se trouve c'est pas ça hein. Sauf vous, vous avez plus mal. Y'a des filles, y'a des femmes, elles pleurent et tout hein. Premier jour d'arrivée, je pouvais pas aller à l'école tellement j'avais mal. Niveau au-dessus. T'es sûr? Niveau dessus. Non, t'abuses un peu. Quoi? J'abuse un peu? Ça va aller? Mais arrête ton supplice, vas-y, on arrête, c'est bon. Mais grave, enlevez-le. Je l'enlève, Marc, je suis en train de l'éteindre. Moi, je veux bien essayer. Mais Solène, c'est pas du tout. Tes masses transpirent. C'est pas du tout la même réaction. C'est pas du tout la même sensation. Ça ressemble au-delà quand on a les contractions? Ah oui, là. Mmh. Ouais. Ah ouais, ouais c'est ça un peu, ouais. Est-ce que c'est au bon endroit? Alors peut-être un peu plus bas, mais là après je pourrais montrer ma poussée à YouTube. Oui, voilà. Et tu rigoles là? T'attends de rigoler? Non mais, oui, mais ça me fait pas si mal que ça. Là niveau 3. Et tu cries pas là? Vas-y, mode 3. Attends mais tu vas voir ça quand ça va faire ça là. Oui, là... non mais là ça fait ça, là ça vient de le là, faire. Là ça fait... Mais ça fait mal? Oui, bah oui, c'est pas agréable, mais ça va. Ça ressemble à tes douleurs? Ouais. Ouais, ça, mais ça fait ça. Mais pourquoi moi je crie? Tu cries pas là? Ça, c'est le niveau où Marcus s'est arrêté. Ah ouais, c'est un peu ce que j'ai comme douleur, ouais. Mais tu rigoles? Mais tu peux vivre et tout, genre? C'est dommage que je loupe mon dernier train et que je reste ici toute la nuit. Oh non, purée, ce serait trop dommage. Bon, vas-y, file, en fait, tu vas aller voir ton petit chat. Le souci, c'est que je fais un peu des allergies au plastique. Quand c'était la mode, vous savez, des trucs en forme d'animaux. Je fais des allergies de ouf et du coup... Au patch-up ? Non, les bracelets qui faisaient des formes d'animaux. Ah ouais ? Mais ah je faisais des allergies de malade, ça. Une brèche dans mon cerveau. Je vous fais des bisous, je retourne dans ma campagne. Moi aussi. Tu vas voir ton chat ? Oui. Toi, je vais aller laver mes nouveaux vêtements et lundi, j'arrive en bombe. Bisous Soso. Bisous. Ce n'est qu'un au revoir Solène. Ce n'est qu'un au revoir. Vous avez qu'à venir avec moi si vous manque tant que ça. Aïe. Allez. Bisous les amis du vlog. J'ai passé une très bonne journée avec vous. Toujours en gros plan évidemment. Et je vous dis à lundi. À demain. Bon dimanche. Oh. Que ça posait la table. Une table très fleurie. Elle a mon image. Hey, hey. Ça mange pizza, pasta. Qu'est-ce qu'on fait pour manger italien? Orga du tube. D'ailleurs, MrBeast a posté une nouvelle vidéo, donc hop là. L'ordinateur se tourne en télé. Bouge pas, j'arrive, bougez pas, monsieur. Mais pas les Jeux Olympiques, en vrai. Marcus et Lena dans une voiture, yeah. Le feu est vert et on roule vers l'inconnu. Comme d'habitude, comme d'habitude. Ça m'a fait du bien. Mais moi aussi, hein. Mais moi ça m'a fait quelque chose là. C'est notre truc avec Marc, quand on se fait chier, on se dit bon, on prend la voiture, on va se balader. Et on chante, on met la musique à fond. Mais attends, mais Paul. C'est pas Paul. Mais Paul. Mais je suis choqué. Attends, mince. Aïe, il y a une voiture derrière. Aïe. Paul, monte dans la voiture. Monte dans la voiture, vite. Mais quoi? Mais qu'est-ce que vous foutez là? Aïe. Paul, ma vie. Mais tu... Ah.
Mais qu'est-ce que tu fous là, Paul? Bah, j'étais chez un pote, là, je rentrais. Et surtout, qu'est-ce que vous foutez là? Mais nous, on allait se pavaner comme d'habitude. Bah, oh, tu nous connais, Marcus et Léna dans une voiture. Ah, mais. Tu veux faire un tour de Paris avec nous? Vas-y, c'est pas le programme. Bah, être là. Comme d'hab, quoi. Voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la musique pop et on se déambule dans les rues de Paris. Ça te va? Ok, ça me va. Bisous. À demain. Ouhou, it was a great day. J'ai passé une bonne journée. J'ai vu mes copains et on a rigolé. De toute façon, moi, tu me fous dans le marais en train de faire du shopping. Je kiffe. Vous voyez mon ordinateur dans mon lit, mais pas de panique. Ce n'est pas pour travailler, puisque je sais que ceux qui écoutent mon podcast, je vous ai parlé de mon podcast. J'ai un podcast qui s'appelle Canapé 6 places. En ce moment, on est en vacances puisque je suis en train de faire les vlogs d'août, mais on revient à la rentrée pour la saison 2 de Canapé 6 places. Mais dans le podcast, j'explique qu'une de mes bonnes habitudes que je veux prendre, une de mes résolutions plutôt, pour 2020, on est en quelle année ? 3, c'est d'arrêter de travailler dans mon lit. Genre, c'était ma spécialité, moi, travailler dans mon lit, et puis après, genre, oh, waouh, je fais des crises d'angoisse dans ma chambre, comme si c'était mon bureau, tu vois, c'était genre une source d'anxiété en plus. Et donc, pour calmer tout ça, plus de travail dans la chambre. Bref, tout ça pour vous dire que je ne vais pas travailler, mais que je vais regarder un film. J'ai ma télé dans ma chambre, mais je trouve pas mes lunettes. Du coup, genre là, la caméra, je la vois floue. Donc, c'est à dire que la télé, mais. Donc, je regardais un film. J'hésite entre Shrek 1 et Shrek 2. J'adore Shrek. Ah, oh, j'ai plus de batterie. Ah, bah, ça y est. Je regardais TikTok. Aïe aïe aïe. Ouais, j'ai oublié de faire le check du coude hier soir. Du coup, je vous en fais deux ce soir. Je suis navrée. Je le referai plus, promis. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à demain, puisque les vlogs d'août, c'est tous les jours. Check de coude. Ceci est un vrai tatouage. Taille hyper important, tu m'as beaucoup aidé. Oh non, arrête. Ma vie. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself.